matin. Le matin, ah ouais. Le problème est à tête, on est là, la bango. Ah, moi, quand c'est la moutouka, t'es là. Moi, quand c'est la moutouka. Massa, bon côté la moutouka. Mon cher, bon côté la moutouka. Ok. La zone, bon côté la moutouka. 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 Je suis élu de la ville de Boutembert, meilleur élu de la ville de Boutembert. Il y a une pression derrière moi. La population ne veut pas voir tout ce qui est Kabila. Et la population de Boutembert me dit, si vous votez contraire, si vous votez pour Mabunda, mais ne piétinez plus à Boutembert. Donc il y a une pression derrière nous. Le peuple nous fait pression et nous disons, Mabunda finit par terre. Merci beaucoup, on va... Benjamin Mwana Souka, actualité, pièce contre pièce, net le bagu. Nous avons 4 assemblées nationales, Awa. Parce que nous avons les gars qui Awa. 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 Nous avons il fallait qu'on nous voie. Il faut que nous soyons en avant. Benjamin, moi, je suis là. Nous avons un quartier à parler du peuple avec les doyens d'âge. Ah ouais, ma députée, ma douce conseillère, on bat là-bas, qui tire le binini, tout ça qui vient de nous avons un palais du peuple. Tout le monde est un bureau. Comment le bureau est installé. Et maintenant, là, on est au Banana au Canada. Et on a toujours au Kobakaka. Nani Nabiso. Toujours continuer. Là, tu as parlé du peuple, quoi. Ma solo, tout. Les gens normal, les gens dégâts. Les plus âgés, les moins âgés. C'est que, le bateau, c'est moi qui me commande dans le tombe. Mais, ils n'ont pas pu réussir. À tout le monde. Nous sommes là. Les doyens d'âge, Bazawana, j'ai fait les directs. Les doyens d'âge, Bazawana, et Neto Lobega qui est. Nous sommes en train de réécrire
l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de prendre une nouvelle décision pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ici, il ne s'agit pas d'autorité morale, il ne s'agit pas des familles politiques, il s'agit des députés qui prennent conscience que le peuple a assez souffert. Et je fais partie de ces députés qui décident de participer au changement et à la réécriture de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de créer un Parlement responsable, un Parlement avec des députés qui comprennent qu'ils sont là pour le peuple et pas pour les chefs de leur parti politique. C'est ça le combat que nous avons mené. J'ai fait partie de ceux qui ont mené ce combat depuis le début de cette législature. Vous vous souvenez, à toutes les interviews, je disais que je n'ai jamais été d'accord avec la coalition parce qu'elle était diabolique. Je n'ai jamais été d'accord avec le fonctionnement de ces bureaux parce qu'il était acquis aux autorités morales et pas au peuple congolais. Et j'étais de ceux-là qui pensaient que cette majorité d'antan était une majorité contre le peuple et pas pour le peuple. Alors nous sommes en train de réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo en instaurant une assemblée nationale acquise au peuple congolais et à l'avenir de la RDC. Merci beaucoup.